Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Yannis Martin ou Ezidrak ou Metallica. Aujourd'hui, on se retrouve sur une vidéo sur Skyrim. Aujourd'hui, enfin, c'est une vidéo un peu spéciale, pas trop spéciale, mais c'est juste qu'en fait, on a cheaté sur ce jeu. On a trouvé des commandes, donc voilà tout ce que j'ai. J'ai plein de choses et ça, je les ai ramassées. Je sais pas cheater. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer quelques petites commandes. Alors, vous voyez en dessous des chapes, et ben, il y a une petite touche qui sert à montrer ceci. Donc déjà, on va commencer par TGM, qui vous met un God Mode. Et là, Disable, c'est-à-dire que je l'ai enlevé. Et là, je refais, c'est Enable. Vas-y, filme bien le code. Le code activé. Voilà, TGM. Maintenant, il y a aussi player.setav. Setav. Il y a. EL. Et vous pouvez mettre au moins 1000 et plus. Et là, j'ai 1000. Donc, c'est pas beaucoup. Ça m'a baissé. C'est-à-dire, c'est chez. Ça, j'ai beaucoup trop de vie. Et player. Setav, ça fonctionne aussi avec stamina, zi et magica. Voilà. On a aussi player.modav spinmult. Et c'est par exemple 10, moi je vais mettre 50 et ça augmente votre vitesse. Et ben on va finir avec un truc que ma soeur et moi on n'a pas compris, c'est ceci. Normalement, voilà, ça fait bugger et après normalement ça fait un petit chargement. Normalement ça fait un chargement, mais là aucun chargement est présent. Ou ça fonctionne aussi avec coq, cosmoke. Aucun changement n'est présent. Vous me dites dans les commentaires si vous ne réussissez pas, si vous réussissez, quel commentaire. Je vous souhaite bonnes vacances encore. Puis je vous fais de gros bisous. Et puis bye bye.